Bon, on est reparti, petite session. Hop, hop, let's go. On y va. Je sais pas si c'est très clair, mais... Je sais pas si vous avez vu que j'avais pas envie, mais... Et on va se faire une petite, un petit tour. Pour quasiment rien. On va se tenter... Non, non, c'est pas ça que je veux faire. On va se tenter. Désolé, j'ai encore le bug. Où, le verrouillage ne marche plus. Voilà, ça remarche. De toute façon, t'as jamais envie de rien et t'es jamais content. Quoi? C'est pas vrai? Je retournerai pas. Mais là, je pense que demain, je vais me faire une petite pause de Outer West. vu là comment ça tourne aujourd'hui, là. Finalement, en fait, on était mieux quand j'arrivais à trouver rien du tout. Hein. Finalement. Quand je trouvais rien, t'es pas plus mal, hein. Faut jouer le jour. Oh, ce serait exactement pareil. Tu vois, j'ai les lumières et tout, là, donc... c'est pas une question de... C'est l'ambiance que ça met, quoi. C'est juste une question de comment est l'ambiance, là. Et là, l'ambiance est clairement à l'horreur, quoi. Enfin, du moins au... À la peur. Je sais pas, ce que ça fait quand on active le... Quand on active le... La moindre peur. La peur amoindrie. Dans les... Dans les options. Peut-être ils mettent moins de musique. Peut-être qu'ils mettent pas les grognements. Peut-être qu'ils mettent pas la musique. Allez, go, 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 go. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Je comprends, j'ai fait un petit bout d'aller en isolation. Est-ce que vous pensez que j'ai réussi? Ou est-ce qu'il faut le faire quand le niveau est bas? On va le savoir tout de suite. Ouais, je pense qu'il faut le faire quand le... Je pense qu'il faut le faire quand le barrage a cédé en fait. Ouais. J'ai pas eu de succès là. Je pense que c'est ça. Bon. Aïe. Oh. Oh. Fail deux fois, hein. Deux fois de suite. Hein. Le mec a réussi quand même.
C'est con, j'ai perdu du temps du coup à faire mon petit tour là, mais ça valait le coup d'essayer. Mais ouais, faut vraiment le faire quand le... Quand le barrage est pété. La vitesse là que j'ai pris. J'arrive pas. Ok, c'est lui. Allez, va faire dodo. Ok. Voilà là. Alors, est-ce que la maison est toujours là? Non. Il faut que j'y retourne. Pour déverrouiller de la maison. Je sais plus où c'est. Ah, je suis passé derrière donc c'est bon. Oh. Ça, c'est une plateforme que je peux bouger. Non mais la maison. Comment j'ai fait tout à l'heure? J'étais où? Non mais c'est fou ça.
Putain, je suis en train de complètement me paumer là. Le fait que ça soit dans le noir là, ça aide pas du tout. Hein. J'arrive même pas à retrouver le truc de tout à l'heure, quoi. Attendez, on revient au début. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé là, paf paf, pif pif paf pouf. Je suis allé en dessous. Bon. Oui, peut-être. Ah. Ça y est, il y a le truc qui vient de tomber là. Ah. Ça me ramène là. J'ai strictement rien fait. C'est incroyable ça! J'ai tellement l'habitude d'être bien assis là, non, que ce que je m'habille bien, j'ai mal partout. Attendez, tout à l'heure, j'ai bien fait apparaître une maison tout à l'heure. Mais d'accord! Pas là-haut? C'est pas le truc là-haut là? Comment j'ai fait pour aller à l'étage au-dessus? Comment j'ai fait pour aller à l'étage au-dessus? Parce que en fait j'arrive de par là. Et voilà, j'arrive de là. Bah tu cherchais pas le passage derrière la peinture? Comment ça? Comment ça le passage derrière la peinture? Oh, je pense que c'est là, regardez. Pourquoi on entend des bruits de pas au-dessus?
Tu as fini ta boucle avant ta pause. Dans les textes sur la carte, il parle d'un passage caché derrière une peinture et également d'une maison. Ah mais t'étais là tout à l'heure quand j'ai fait apparaître la maison ou pas? J'ai activé un bazar. Mais. Ça me dit rien, c'était peut-être quand je suis allé me faire une infusion il y a genre 1 minute. Ouais, c'est possible. Mais du coup, en fait, tu vois, je pense que je suis arrivé à l'étage au-dessus. Et j'ai mis la lumière dans un truc. Et ça m'a fait apparaître une maison. Ah, les bruits de pas au-dessus, là, ça me stresse. Un truc que j'ai trouvé tout à l'heure du premier coup et là je galère quoi. Là, c'est où il y a le truc qui me détecte. Ah, me v'là pas bien avancé, hein. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon bah j'aurais rien fait hein. Merde, merde, merde. Et je sais pas pourquoi.
Pourquoi j'avais trouvé le truc la première fois et pas là, quoi. C'est chelou. Ah. J'ai des nouveaux trucs ou pas enfin, dans mon journal? Ah bah oui. Oh oui là là là, tellement de trucs. J'avais pas regardé en plus. Découvert un vaste lac souterrain sous la structure immergée. Le coffre scellé se trouve sur le rivage du lac. Il y a trois interfaces comportant chacune l'un des trois symboles du coffre. Oui c'est ça. J'ai actionné le mécanisme devant le coffre, ce qui a tiré sur les chaînes qui le maintiennent fermé. Un instant plus tard, les rayons de lumière verte ont jailli du coffre. La lumière provenant du coffre m'a donné une vision. J'ai gravi un escalier en colimaçon jusqu'à une salle située près du sommet de la tour. L'un des habitants étrangers de l'étranger a désigné une peinture murale de la tour sous un ciel nocturne, puis a ramassé un artefact et a quitté la pièce. Peu après, les lampes de à côté de la peinture se sont éteintes, révélant un passage secret. Jusqu'à une salle située près du sommet de la tour. Les habitants étrangers ont désigné une peinture murale de la tour dans un ciel nocturne. Un passage secret dans la tour alors. Tu peux un deuxième entrée si tu as l'arrêt de la tour. Un carrousel positif. Ah un village isolé niché au creux d'une crique. Une tour éclairée par des bougies domine une île proche. Le puits dans les profondeurs du village est gardé par une statue qui sonne l'alerte à l'aide d'une cloche dès qu'elle me voit. Ok. On va aller dans la tour. Parce que dans la pièce, il y a peut-être un passage secret. Alors je sais pas si c'est dans le monde réel ou si c'est dans l'autre monde là. Je sais pas comment les gens l'appellent l'autre monde. Aïe. Il faut peut-être que je prenne un truc là quand même. Hop là. C'est pas grave. Passez vite. Artefact. Merde. Hop là. Alors, on va à la tour. Toujours avoir un artefact dans la main au cas où ça peut servir.
Ah non, je fais ça, mais non. Le... Je suis con. En dessous. Là où il y a la grotte. C'est par là qu'on accède au... aux étages supérieurs. Si c'est pas ici, c'est peut-être dans l'autre alors. Dommage. Jamais lequel c'est. Infernal. Hein. Comment je fais pour arriver là? Bon, faut que j'arrive à retrouver le radeau. Il y avait un endroit où il y avait un radeau. Ce n'était pas le radeau. Par là, hein. Probablement par là d'ailleurs.
En fait, non, c'était sûrement pas par là. Parce que ici, voilà, c'est là où il y a le détecteur. Putain, je me paume, mais tellement. Oh, c'est ouf, hein, quand il n'y a plus le. Quand il n'y a plus de repères visuels, c'est la même merde, quoi. La maison. Alors j'ai aucune idée d'où je suis, mais par rapport au début là. Ah d'accord. Ok, bon bah la trouver. Je pourrais revenir si si besoin. Quoi ça? Ah oui, c'est un truc pour se téléporter ça. Ce n'était pas le radar. Ah non, c'est un truc pour Ok. Le radeau. Ouais, d'accord, ok. Là, je peux rentrer. Et là, je vais pouvoir monter. Alors. Aïe. Non, faut les souffler. Ah, je peux plus le poser. Ok, on peut le poser. Alors éteindre. Éteindre. C'était ça, hein? Merde, putain, évidemment qu'il me rallume les trucs. Quoi? Ah non, dans le coffre. Ils avaient dit le coffre? Je sais plus. Y a pas une histoire avec le coffre?
Oh, je sais plus ce que c'était. Faut se rappeler des trucs, là ça devient chiant. J'ai pas envie de me rappeler des trucs, moi. Je sais même plus où je l'ai trouvé en plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus où j'ai trouvé le machin, quoi. Bon bah c'est la déception. Les alertes qui se lancent toutes seules, ce serait pratique. Ouais non, j'ai pas trop envie là. Ah mais merde quoi. C'était bien ça, c'était dans cette pièce-là, ils éteignaient les feux, et après, paf, ils partaient, et c'était vachement bien, tout le monde vivait heureux, quoi. Attendez, est-ce que c'est pas ça? Attendez, ils éteignaient tout? Attendez. Hop. Ils sortaient? J'avance pas, ça m'énerve. Ça me saoule. Ça me saoule de pas avancer parce que j'ai pas de mémoire, quoi. Ouais, on revient là, on refait le tour là quoi. Est-ce que c'est pas ça le succès des 90 secondes là? Mes pauses à garder une soluce. Attendez, j'essaye de bourrer, j'essaie de faire un tour complet là. Sans m'arrêter nulle part. Quasiment sûr qu'il y a le truc qui va s'effondrer pile au moment où je vais arriver à la fin quoi. Mais je vais avoir les boules. Et bah même pas a priori. Merde. Tant pis. Il manquait pas des trucs aussi à les découvrir ici. Si mais regardez. Comment je fais quand c'est comme ça là?
Le truc il est en haut et moi je suis en bas. Comment on fait? Attendez, c'était pas là que je l'avais vu, la vision, là? Non, là, c'était la vision de... On regarde dedans, tout ça, c'est vachement bien. On est tous très copains, tout ça. Ah, là. J'ai pas envie de me refaire une boucle en fait là. Mais de toute façon, voilà, c'est la fin. C'est la fin. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Là, j'ai pas envie de refaire une boucle là-dessus. On peut se tenter... Je sais qu'il y a des trucs qui me manquent dans le jeu de base. Il y a des trucs qui me manquent dans le jeu de base. Est-ce qu'on va pas se faire 2-3 succès dans le jeu de base? Faut que je les regarde. J'ai quoi? Ah bah il y a toujours le truc de... Ah, il y a mettre la fusée de Mika sur le soleil. Ça peut être rigolo ça. Ça peut être rigolo. Il y a sa place et dans un musée, je crois qu'il faut ramener un artefact dans... Enfin, pas un artefact, mais il faut ramener quelque chose dans le... Ah, il y a toujours Grand Plongeon que je dois faire. Ah, effectivement. Ouais, allez, tiens, on va tenter Grand Plongeon. On devrait y arriver cette fois-ci. Allez hop, on m'a dit, de toute façon, la fin de la boucle est là. Merde. Elle a un poil de barbe. Allez. Bon, a priori, il n'y a pas grand monde qui se promène dans le... Tiens, petite lune. Finalement, ouais, j'avais peur qu'il y ait, qu'on croise des gens, mais après, a priori, on croise personne. Alors, le jeu essaie de nous faire croire qu'il y a du monde, parce qu'il met des petits bruits, des trucs comme ça, quoi. Mais derrière, il n'y a pas grand monde. Hein. Attendez, je retrouve là... c'était quoi? Ok, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Le puits. Passage secret. Lumière provenant de... Attends, la lumière provenant du coffre m'a donné une vision. J'ai gravi un escalier en colimaçon jusqu'à une salle située près du sommet de la tour. L'un des habitants de l'étranger a désigné une peinture murale de la tour sous un ciel nocturne, puis a ramassé un artefact et a quitté la pièce. Peu après, les lampes à côté de la peinture se sont éteintes, révélant un passage secret. Putain, faut éteindre les peintures, les lampes, enfin juste les deux à côté quoi. Qu'est-ce que je fais? J'y retourne ou pas?
Ouais, j'y retourne. Ah merde. Ah, désolé, j'ai aucune parole. Puis si c'est pas ça, et bah tant pis. Il y aura avoir une solution si c'est pas ça. Plein le fion. C'est bon. C'est quoi ces jeux là qu'on peut pas faire sans solution là? Quand même fou. Aïe. Attends, j'allais vite là. Hop. Allez, on y retourne. En espérant que cette fois-ci ce soit la bonne. Ok, allez. Vous avez vu, cette fois-ci, je m'en suis rappelé. C'est fou. J'arrive même pas à sauter quoi. Hop, on allume les petites lumières. Alors j'ai dit, c'était à gauche. Après il y a encore... Ah voilà, il y a encore un passage en fait, c'est ça. Voilà, tout le truc était là en fait. Fallait regarder à gauche quoi. Quand on appuie les propulseurs, tout de suite c'est plus long. Hein. Là, j'oublie rien, hein. Non. En bas il y avait un truc je crois. Ouais. Peut-être. Alors, let's go pour... Ça. Et on allume tout. Hop. Et on éteint les deux là. Eh bien pas du tout. Non mais c'est l'enfer.
Non mais je vais aller voir. Attendez, faut que j'aille voir parce que là ça me rend dingue. Ça me rend dingue, je pige pas quoi. La tour. Attendez. Attendez voir. Prenez juste note de cette pièce. Quoi? Attendez, c'est le bordel. Voyage autour de l'île dans Île de Cendres, domaine de l'étranger. Empruntez le passage inférieur, la grotte rocheuse, pour atteindre l'entrée cachée de la tour de l'île. L'escalier mène à une pièce avec une fresque et une planète aux anneaux. Prenez juste note de cette pièce. Oui, ça c'est bon. Recueillir un artefact et utiliser les tours de l'île feu vert pour voyager dans l'autre monde. Ça c'est ok. Obtenez l'artefact de la maison 1, puis retirez les lanternes de la fresque de la planète Hanley dans la salle principale de la tour de l'île. Asseyez-vous devant le feu vert. Donc, Rick étoilé, entrez dans la zone principale et à la gauche, puis prenez la première à gauche. Enfin, une falaise, concentrez votre lumière, ça ok. Allez au hangar à bateau, utilisez le pont pour atteindre l'entrée inférieure de la tour. Éteindre les 4 bougies. Ok, oh là là. Oh. D'accord. Ok. En fait, et donc il y avait les bougies. Tac. Attendez, faut que je peux prendre ça. Hop, 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 et hop. Donc j'éteins tout. Vous voyez, la pièce, tout est éteint. Assez long. Hop. Je me réveille. Je me réveille. Hop là. Donc là, je me suis réveillé. Donne-moi envie d'y jouer, mais trop. Ouais, non, mais. Hein. Et en fait, c'est maintenant. Ici. Vu que j'ai éteint les lumières dans l'autre monde. C'est ici que va y avoir le. Le passage secret. Ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux, quoi. Voilà, et vous voyez maintenant. Paf! Passage en scred. Et là? Ok, donc là,
La prise de notes. La prise de notes. Papier. Papers, please. Donc. Alors, le vaisseau. Le vaisseau. C'est. C'est soleil. Soleil. Moi, flamme, moi, flamme. Ah mais celui-là, je l'avais déjà eu. Ah, vous, si vous voyez mes flammes, elles sont horribles. Ok, lui. Super. Mais c'est pas le même ça? Non, c'est pas le même. Ah, ils ont tout cramé, les cons. Que cogno. Ah! Et ça, c'est... la flamme. Avec l'anneau autour. Ah, ça y est, je me rappelle. Oui, je vois la salle que c'est. Oui, d'accord, ça y est. Et donc là, c'est... Quart de lune à droite. Saturne. Quart de lune à droite. Carreau. Tout ça. Ok. Et bah c'est une bonne chose. Ouf. Ouf. Et bah on va essayer de retourner à ce truc là d'ailleurs. Du coup. J'aurais pu sortir par l'extérieur. Ça aurait été tellement plus rapide. Je suis en train de perdre du temps là. Donc là, il faut que je retrouve un... Un radeau. Ce n'était pas le radeau. Ah, je le fais à chaque fois, hein, on va arrêter. Hop, bah ça tombe bien, regardez. Il y a mon radeau qui est là. Hop, vas-y. Va à droite. À droite toute. Petite musique sympa. Ça va être chaud, hein. Niveau timing, ça va être chaud, je pense. Hein. Quoique. Ah, si j'arrive en haut, c'est ok. Là, faut que je prenne à droite, ouais. Cool. Ah. Peut-être retrouver des trucs. On va peut-être avancer. Peut-être on va avancer. Ce serait cool. Hop. On arrive là. Hop. Là c'est en gauche. Puis droite. Je
J'ai pris un peu trop court là. Hop. On va pouvoir avancer là-dessus. Alors c'est quoi? Ça c'est bon. Saturne. Saturnus. Ça c'est bon. Et ensuite c'est carreau-carreau. J'avais bien dit depuis le début qu'il y avait un... J'ai pas arrêté de le dire qu'il y avait des chaînes derrière et que ça me semblait bizarre. Où j'arrive là? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une petite maison. Nous avons la vue du ciel. Nous avons là où on était. J'ai l'artefact en main. Et donc là... Il y a un truc de flamme, ok. Là, il y a aussi un truc de flamme. Ah ça, je l'ai vu, la crique. La Nathalie Saint-Crique, on l'avait vu. Ça, on l'a vu aussi. Ah! Je vais mourir ou pas? Non. Non. Ok. Donc, je sais pas lequel j'ai pas eu, mais il y en a un que j'ai pas eu. Ah! Regardez ça! Qu'avons-nous ici? Un petit carrousel. On a évidemment rien pour le lire, donc va falloir qu'on remonte. Pour pouvoir aller le relire. Je crois qu'il y a un truc en haut. Direct. Ouais, c'est ça. Hop, on arrive et direct. Direct la diapo. J'ai vu une lampe, voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous apprendre? Hop, 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 hop. Alors. On a les mecs. Plonge. Ils sont flippants quand même. Ah, ça nous expliquait pourquoi ils vont tout cramer? Ah ouais, ça explique pourquoi ils crament tout quoi. Ah, comment ça marche alors? Ok. Ok. Pourquoi pas, hein? Est-ce que j'essaie d'aller en face avec mon petit machin là? Parce que j'y suis pas encore allé avec ça. Ici. Non, c'est pas lui.
Lui. Ah si, c'est le premier que j'ai fait. Mais il y avait encore des trucs à visiter. Il y a un truc par là-bas. Ouais. Est-ce qu'il faut ouvrir les portes dans l'autre monde pour qu'elles soient ouvertes ici ou pas? Parce que ça serait quand même bien chiant. Il y a deux chaises ici. Et pourquoi les bougies sont en si bon état aussi? Grande question. Ah non, faut être de l'autre côté, c'est vrai. Voilà, celle-là. On a le truc. Hop. Ensuite, on arrive là. On peut retourner. Non, c'est pas là. On peut retourner en face. Hop, là. On est là.
Hop. Merde, c'est la fin. Ah merde, donc voilà. Là. Ah merde. C'est ça que je voulais faire. Moi je vais explorer d'autres choses. Moi je voulais explorer d'autres choses là. C'est vrai qu'on n'a pas le... J'appuie pour avoir le jetpack pour aller plus vite. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le jetpack. Ah voilà, on peut descendre. Aïe. Dommage. On va juste aller voir ce qu'on a récupéré comme info. Et puis on va s'arrêter là. Je crois qu'il y a eu que toi, mon pauvre pâte de tarte ce soir. C'était pas super ambiance, hein. Enfin, c'était cool que tu sois là, mais. Du coup, il n'y a pas eu grande animation. Alors. D'accord, t'es là qu'à 50%, tu lis de la doc sur les chaises. Ah bah super, le mec. Il est tout seul et puis... Oh là là. Oh là là. Que de choses. Une projection qui semble révéler un lieu secret quelque part dans l'étranger. Ok, donc ça on a trouvé. Projection qui semble révéler un secret quelque part dans l'étranger. Cela je l'ai trouvé. Projections qui sont révélées à un lieu secret quelque part dans l'étranger. Ça par contre je l'ai pas eu. Mais du coup, maintenant je sais où il est. I know where it is. Ça c'est bien. Ah ça se... Regardez, on les voit. Oh là là. Pièce secrète remplie de récipients en bois où figurent différents symboles. Trois des récipients présentent des seaux de coffres lumineux, mais leur contenu a été réduit en cendres. J'ai ouvert le récipient contenant le symbole d'un carrousel de diapositives en train de brûler. J'ai trouvé une séquence verticale de symboles à l'intérieur. Ça c'est cool. Trouvé une peinture murale représentant un arbre imposant au rez-de-chaussée de la cabane. Ce que j'ai trouvé dans la pièce d'incinération de diapositives montre un récipient contenant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Lumières sont éteintes, elle emporte le récipient dans un passage secret caché derrière une peinture murale représentant un arbre imposant. Donc faut que j'arrive à trouver le même truc quoi. Écran secondaire mais premier dans mon cœur. Oh. Oh. Ok, donc on sait où est... On sait où est la peinture murale du coup. Bien, la bonne séquence permet d'aller. J'ai trouvé un carrousel diapositive montrant les habitants de l'étranger en train de retirer tous les carrousels de leur étagère, de scanner chaque diapositive avec un appareil et dans un scénario certain, ainsi que des carrousels entiers. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans le temple abandonné? Le secret quelque part dans l'étranger.
Ouais, la crique, évidemment, j'ai encore des trucs à trouver. Hein. Mais le canyon, par contre, c'est fini. Le canyon, j'ai tout trouvé. Ça avance, hein. Ça avance. Bon, allez, hop, on s'arrête là. Des bisous, YouTube. À la prochaine.